Salut les amis, c'est Canary Y, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc désolé mon absence, hein, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, donc très occupé, donc voilà. Donc aujourd'hui je fais un petit suivi d'élevage et puis en même temps on va dire ce qui s'est passé pendant ces deux semaines quoi. Donc ici alors on est sur le dernier tour, donc vous pouvez voir comment c'est son nid, son dernier tour. Le deuxième tour on n'était pas le chien, j'ai mis des œufs de Agathe, donc qu'elle a très bien sevré quoi. Voilà, je vais prévoir un peu les jeunes. Ici, ce mâle-là se retrouve tout seul parce que ma femelle Agathe est morte ce matin. Donc, je sais pas, je pense le brécher, mais je sais pas sûr. Donc, voilà. Ici, du coup, j'ai mis ces œufs ici. Voilà. Donc, elle avait trois œufs fécondés. Donc, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. C'est les aléas de l'élevage, quoi. C'est la première femelle que je perds cette année. Donc, c'est vrai que ça va, quoi. On va pas se plaindre, quoi. Donc, ici. Nous avons cette femelle, j'ai pas encore mis le post-it, faudra que je le mette, j'ai tellement pas le temps de mettre les post-it. Donc ici elle a 6 œufs, vous pouvez voir. Hein. Elle a 6 œufs, vous voyez les taches sur les œufs, c'est que c'est pas les siens, c'est mon autre femelle. Donc les 6 sont fécondés bien sûr, sinon il n'y en aurait pas 6. Donc je sais pas si j'ai pas d'autres femelles qui couvrent pour le moment. Donc je sais pas si je vais lui laisser les 6. Peut-être que si j'ai une femelle qui pond entre deux, je mettrai les œufs au frais et je mettrai ces œufs là. Pour pas que ça soit trop élevé, parce qu'elle n'a jamais élevé, c'est son premier tour encore. En au mois de mai, c'est son premier tour. Donc voilà quoi. Parce que le premier tour, j'avais cassé les œufs. C'était de ma faute quoi. Là, c'est vraiment son tour son principal quoi. Voilà. Et si nous avons les deux jeunes. Donc, un jeune mandarin à mon fils, donc j'ai permis de le mettre avec eux parce que dans la cage avec les parents ils allaient le tuer, donc a priori ce serait une femelle. Hein. C'est une petite femelle, hein. Voilà bien. Donc ici nous avons le jeune, quoi. Donc il est pratiquement sevré, quoi. Je le laisse encore parce qu'il dérange pas les parents. On a frosprinium, on produit un œuf. Par contre, elle m'a pas pendu, elle a fait une pause de 2 jours. Donc, je ne sais pas si demain elle pond pas, je ne ferai pas un tour pour un œuf. Donc, je ne sais pas ce que je ferai de l'œuf, je le garderai et je le relancerai. Puis, dès qu'elle répondra, je le remettrai. Je vais tenter quoi. Je sais qu'on peut les garder 19 à 20 jours les œufs, nickel. Donc, voilà. Ici, coupe de Radza. Donc, ici, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Vous voyez bien. Trop jeune, trop bien nourri, trop bagué. Donc on aura encore un jaune dedans, donc super content. Donc voilà, là c'est la bonne nouvelle quoi. C'est une très bonne femelle. Hein. Je fais une petite dédicace en Ému Berlin parce que c'est lui qui me les avait vendus. Donc il m'avait promis que c'était une bonne femelle et il tient ses promesses. Quoi. Donc voilà. Donc là on va passer ici. Elle c'est pareil, elle entame son dernier tour. Donc c'est son troisième tour. Ah, c'est son deuxième tour, mais ce sera sûrement son dernier vu la date qu'on est, quoi. On est déjà au mois de mai. Le temps que les bébés sont sevrages, le temps qu'elle pourra le faire le nid, ou pour un mois et demi, quoi. Donc la saison sera pour moi cette année. Donc voilà quoi. C'est dommage qu'elle m'a fait que 2 œufs, bah 2 jeunes pour l'instant, quoi. C'est dommage. Les troisièmes tournées sont morts dans l'œuf. Donc là on recommence, on verra bien. Ici ils m'ont fait qu'une tournée. Une tournée de. Trois jeunes, je m'en rappelle plus. Deuxième a été clair. Après, j'avais arrêté la femelle parce qu'elle avait la gueule des pattes, donc j'ai préféré la soigner. Vous voyez, tout est nickel. Et du coup, là, j'ai remis un nid et en train de commencer. Quoi. Donc, ce sera évidemment peut-être aussi son dernier tour. Les chardonneries, toujours rien. J'ai un ami qui va venir les chercher, on va faire ce que lui a un mâle et une femelle et il va titiller les coupes quoi. Donc on verra bien. Ici c'est son premier tour à elle, parce que c'était une femelle de chez Bernard, mais c'était une femelle du mois d'avril, câline au mois d'avril. Donc je l'ai mis en repro que le mois dernier, donc j'ai préféré attendre qu'elle avait 1 an. Donc je sais pas comment je vais faire pour le nid, parce qu'ils vont faire, attendez, on va faire une boulette. Donc je vais descendre. Oh, bah là,
Voilà. Vous pouvez voir, super bien nourrie. Donc, c'est une jeune femelle de Bernard. Hein. Celle-là, Lucie, c'est une femelle qu'il m'avait offert. Parce que j'avais perdu une femelle Raja. Et donc, comme il y avait encore des femelles, il m'a proposé de venir en chercher une. Donc, voilà. Alors, sinon, c'est une bonne femelle. Bon, après, on savait pas que c'était une bonne femelle, vu que c'était un de ses jeunes à lui. Donc, sa première année en tant que femelle, quoi. Donc, premier tour pour l'instant, elle a fait qu'un œuf fécondé. Non, deux œufs fécondés, mais il y en a qu'un qui est sorti. Donc, voilà, pas plus mal. Donc, attendez, je pose le téléphone 2 minutes. Voilà. Donc, le jeune, super bien nourri et tout. Donc, c'est nickel. Donc, c'est une femelle que. C'est un couple que je garderai pour l'année prochaine. Peut-être pas le mâle, parce que le mâle n'est pas top. Hein. Sur 4 œufs, il y en avait que 2 fécondés. Bon, après, c'est son premier tour. Hein. Donc, c'est possible que je refais un tour pour elle. Je pense même, c'est même sûr. Par contre, ce mâle-là, ça fait un tour. Il m'a déjà fait un tour clair, donc ça veut dire qu'il coche pas la femelle. Donc, si c'est clair encore, je pense que je la retenterai quand même une fois, mais je changerai le mâle par contre. Donc, je prendrai peut-être ce mâle-là pour voir si vraiment il est bien bon. Ou alors, je prendrai ce mâle à lui qui est super top, quoi. Voilà. Vous pouvez le voir aussi. Hein. C'est super bien nourri. Les jeunes, ils lèvent plus les têtes tellement qu'ils sont bourrés, quoi. On peut pas se plaindre. Hein. Voilà. Donc ici j'ai toujours mon mâle agate tout seul. Voilà. Ici c'est un mâle mandarin, quoi. Donc voilà, il est bien là. Donc voilà. Ici c'est les jeunes. On commence à bien se remplir. Hein. Voilà. Il y en a 17 dedans. Il y a 17 jeunes. J'ai plus de Raza que de canaris normales. Donc j'ai déjà deux Raza qui chantent, donc j'ai déjà deux Raza mâles, je sais les identifier. J'ai marqué le numéro des bacs sur le papier. Enfin, j'ai mes agates, voilà mes agates. Et là c'est le agate que j'ai remis récemment. Oui, non c'est pas lui, si c'est lui. Voilà ici, vous avez le agate. Regardez, là ici. Voilà, la mise à jour, la mise au point. Donc voilà. Donc voilà. Donc là il y a 17 jeunes, plus ces deux ici. 17 jeunes ici. Et un qui arrive là. Trois qui arrivent là, un qui arrive là. Donc c'est une assez bonne saison parce que disons que j'ai que cette femelle qui a fait des jeunes. Celle-ci, bah, je ne les compte pas parce que c'est pas encore arrivé. Celle-ci, cette femelle-là et cette femelle-là. Donc sur 4 couples. 5 coupes, pardon, le radeau aussi a fait des jeunes. Donc sur 5 coupes, j'ai pas loin de 19 jeunes. Donc ça va quoi. Donc deuxième tour, ça a été quoi. Ça se passe très bien pour le moment quoi. Voilà. Par contre, ici j'ai fait les mandarins. Donc voilà. Le jeune est sevré. Donc elle m'a reconstruit le nid, elle m'a pondu 5 œufs. J'ai tenté un truc avec les œufs. J'ai fait la méthode des œufs factices comme les canaris. Donc ça marche très bien pour l'instant. Donc là il y en a 5, 5 fécondés, quoi. Donc il y en avait 7 mais j'ai retiré les deux qui n'étaient pas fécondés. Voilà, donc c'est nickel. Je suis assez content. Donc on verra bien. Donc je pense que je vais devoir faire une petite volière pour eux. Mais bon, mon fils ne veut pas les garder, il veut prendre les jeunes. Donc il veut juste garder ce couple-là. Donc bon, il y a peut-être pas tort. Donc voilà. Sinon les amis, ça se passe très bien pour moi. Bon, à part la petite perte de ce matin de ma petite femelle là. Elle avait 3 œufs. Bon, après c'est ses aléas quoi. Pourtant elle était pas fatiguée, mais elle a eu une rude saison parce qu'elle m'a fait une hémorragie. Elle m'a fait 2 fois des hémorragies, donc elle revient de loin. Mais bon là, elle a pas survécu, mais c'est pas grave quoi. Donc du coup, j'espère que les œufs vont venir à terme pour moi avoir des agates opales blancs. Voilà. Il y a 3 œufs fécondés, j'espère au moins en sortir un et si j'ai de la chance d'avoir une femelle, quoi. Bon, on verra bien. Donc sinon, je vous fais une petite vue d'ensemble. Donc ça se passe très très bien, quoi. Donc bah là, c'est né. Hein. Vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir le jeune, c'est né. Ici, c'est le papier du petit, là, pour qu'il mette le sevré aussi. Là, c'est né aussi. C'est bagué. Par contre, quand vous avez des numéros comme ça,
c'est que c'est bagué. Donc voilà. Là, il n'y en a pas de numéro, donc c'est pas bagué. Oui, ici, c'est bagué. Voilà. Ici, on avait deux au départ, hein. Mais il y en a un qui est mort entre deux. Donc la femelle s'en occupait pas, à mon avis, elle savait qu'il y avait une maladie. Je pense que les femelles le ressentent quand leur jeune n'est pas bien. Donc c'est pas plus mal, quoi. Voilà, les amis. Je fais un petit coucou à tout gros WhatsApp. Un bon ramadan, tous ceux qui font le ramadan. Mon ami Jo, je fais le ramadan, donc bon ramadan, gros. Et un petit coucou gros WhatsApp. Et je voudrais faire une petite dédicace à Christophe Carrouge, quoi. Et une très très bonne saison, et voilà, quoi. Bon, c'est un peu chiant, quoi, les amis n'ont pas une bonne saison, quoi. Donc voilà, une petite dédicace pour toi, Chris. Et puis voilà, je voulais remercier mes abonnés, mes nouveaux abonnés qui vont arriver, parce que j'en prends, mais là j'ai pas eu trop le temps. Donc je pense qu'on va s'arrêter sur les jeunes aujourd'hui. Donc voilà, les amis, c'était un petit suivi d'élevage. Donc je pense que ouais, la semaine prochaine, si j'ai le temps, je referai une vidéo. Parce que là, en ce moment, c'est la galère. Donc on court un peu partout, quoi. Donc voilà. Puis ce sera bon, quoi. Donc je vous referai une vidéo la semaine prochaine. Salut à tous les amis, prenez soin de vos oiseaux.